Brian Tracy, orateur et auteur de 70 livres, démontrera comment utiliser l'art de la communication pour atteindre le succès dans tous les domaines de la vie. Écoutons attentivement ses paroles sages à partir de maintenant. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos communications. Dans toutes les relations réussies, les partenaires diront toujours qu'ils communiquent extrêmement bien. Lorsque la communication diminue, disparaît ou ne se produit pas, des problèmes commencent à surgir. Une clé de l'efficacité au travail est la capacité de communiquer de manière efficace et claire. En fait, même si vous travaillez dans des domaines techniques tels que la programmation informatique ou l'ingénierie, vous passez jusqu'à 75% de votre temps à communiquer et interagir avec les autres. Par conséquent, votre efficacité en tant qu'individu est déterminée par votre capacité à transmettre votre message et à comprendre clairement le message que l'autre personne envoie. Il existe deux formes de communication. La première forme est votre communication intérieure, comment vous vous parlez, dialoguez avec vous-même, pensez et planifiez. L'autre forme de communication est votre interaction avec les autres, et naturellement, l'une influence l'autre. Heureusement, les compétences en communication s'apprennent. Vous pouvez les améliorer, apprendre des meilleurs communicateurs et pratiquer jusqu'à ce que cela devienne une partie intégrante de votre répertoire. Deux nouvelles vidéos sont publiées chaque jour, alors pour ne pas manquer de connaissances précieuses pour votre succès, je vous conseille vivement de vous abonner à cette humble chaîne. Profitez-en pour aimer cette vidéo et laisser un commentaire, de cette manière, vous contribuez également à diffuser ce contenu. Maintenant, continuons avec le thème principal. Tout d'abord, il y a trois éléments dans n'importe quelle conversation. Les mots ne représentent que 7% du message lorsque vous parlez. Les mots ne représentent que 7% du message, donc on dit que lorsque vous parlez, les gens oublieront la plupart de ce que vous avez dit, mais se souviendront de la manière dont vous l'avez dit. La tonalité de la voix correspond à 38% du message. Dans les conversations en face à face, la tonalité de la voix représente 38% du message. Si vous êtes au téléphone, cela peut représenter presque 80% du message, voire plus. Lorsque vous souhaitez paraître amical, chaleureux, réconfortant, intime ou attentionné en parlant, maintenez votre voix dans la plage inférieure, où les sons sont plus profonds. Les tons moyens inférieurs sont également efficaces lorsque vous souhaitez résoudre quelque chose avec l'autre personne ou montrer que vous vous souciez ou réfléchissez. N'oubliez pas de parler plus lentement. Il est difficile de transmettre de l'amitié, de la chaleur, de l'affection ou de la réflexion lorsque vous parlez trop rapidement. La plupart d'entre nous ralentissent naturellement en exprimant des émotions plus profondes, sauf peut-être lorsque nous sommes en colère. Et lorsque vous ralentissez, la tonalité de votre voix diminue également et devient plus douce. Les personnes influentes, d'ailleurs, parlent plus lentement et plus bas. Ils font des pauses, ce qui renforce leurs paroles et attire davantage l'attention. Les femmes sont particulièrement sensibles aux tonalités de voix et à de petites variations en elles. Combien d'hommes ont entendu cela ? Je sais que moi, oui. Quand je viens de dire cela, elle a répondu, « Ce n'est pas ce que tu as dit, c'est la tonalité de ta voix. » Par conséquent, la tonalité de la voix est importante, c'est pourquoi nous devons la prendre en compte car lorsque nous sommes pressés, occupés ou sous pression, notre ton de voix peut être tranchant, court ou peu amical. Le langage corporel représente 55% de la communication totale. La règle est que les gens croient au message dominant. Quel est le message dominant? Par exemple, si vous demandez « aimes-tu ?» et que la personne répond « oui, bien sûr, je t'aime », les gens croient-ils plus aux mots ou au message dominant, qui est le langage corporel et la tonalité de la voix? Si elle dit « oui, je t'aime », les gens croiront à la totalité du message. Donc, le message le plus efficace est celui en harmonie. Les mots, la tonalité de la voix et le langage corporel sont tous synchronisés avec le message. C'est très important. Donc, lorsque quelqu'un vous parle, il est important de vous tourner et de faire face directement à la personne, d'écouter attentivement et de faire attention. Cela est beaucoup plus important que de dire « oui, j'écoute tout en regardant ailleurs, en lisant un livre ou en faisant une autre activité ». Hier, j'ai lu un livre sur une femme profondément triste parce que son mari ne lui donnait jamais d'indication qu'il l'aimait et la valorisait. Ce sont les besoins les plus importants. Si elle peut satisfaire ses besoins, tout le reste suivra. Sinon, elle restera insatisfaite. Les hommes pensent souvent « je suis dans la même maison, je regarde la télévision ». Cependant, le seul moment où vous êtes vraiment présent pour la femme la plus importante de votre vie est lorsque vous êtes face à face, en lui donnant de l'attention, en écoutant quand elle parle, en étant affectueux et respectueux.
Par conséquent, le contact direct est crucial et il existe une relation directe entre le temps que vous passez en contact direct et la qualité de vie que vous appréciez. Il est donc crucial de planifier, d'organiser et de veiller à ne pas négliger le contact direct. En ce qui concerne la communication, il y a trois parties dans n'importe quelle conversation. La première partie est l'étau, qui concerne le caractère de la personne. Une personne au caractère fort peut dire très peu et être extrêmement influente, comme l'a dit Emerson. Ce que vous êtes parle si fort en moi que je ne peux pas entendre le mot que vous dites. Quelqu'un comme Mère Teresa pouvait prononcer quelques mots et changer la vie d'une personne. En revanche, quelqu'un au caractère limité n'aurait pas le même effet. La deuxième partie est le pathos, qui implique la connexion avec les émotions. Cela se produit lorsque nous nous branchons sur les émotions d'une autre personne, en nous concentrant sur ses problèmes et besoins. N'oubliez jamais que les gens portent leur propre fardeau. Il y a un dicton selon lequel si chaque personne se plaignant de ses problèmes pouvait rassembler tous les problèmes du monde dans une boîte, et si chaque personne pouvait voir la taille et la gravité des problèmes des autres, elle aurait honte de ses propres petits problèmes et grandirait du jour au lendemain. En considérant cela, en réalité, de nombreuses personnes font face à des problèmes bien plus importants que les nôtres. S'aligner sur les problèmes et les préoccupations des autres peut considérablement améliorer notre propre vie. La troisième partie est le logo, le contenu factuel de la conversation. En général, le contenu factuel est le moins important jusqu'à ce que le caractère soit établi et qu'une connexion émotionnelle soit établie. Par exemple, dans la vente, vous établissez d'abord le caractère, puis abordez le problème ou le besoin subjectif, créez une connexion émotionnelle, puis abordez votre produit ou service. Traiter avec les gens dans la vie implique ces trois aspects. De plus, il existe quatre styles de personnalité de base. Le premier est le relationnel. Les relationnels sont orientés vers les personnes et ont tendance à être indirects. Ils sont calmes, introspectifs et peu expressifs. Ils sont sensibles, orientés vers les personnes et préoccupés par l'opinion des autres. Certains relationnels sont tellement sensibles à l'opinion des autres qu'ils ne prendront pas de décision sans l'approbation de tous. Traiter avec les relationnels nécessite de la patience, du calme et de l'empathie. Le deuxième style est l'analyste. Les analystes sont indirects, axés sur la tâche et axés sur les détails. Ils ne se soucient pas autant des gens mais se concentrent sur l'exécution précise du travail. À l'extrême, ils peuvent être bureaucratiques, méticuleux et préoccupés par chaque détail. Traiter avec les analystes nécessite de la précision. Le troisième type est le directeur. Les directeurs sont orientés vers les résultats, prennent des décisions rapides et n'ont pas besoin de beaucoup de détails. Traiter avec les directeurs implique d'être direct, objectif et efficace. Enfin, le quatrième type est le socialisateur. Les socialisateurs sont orientés vers les personnes, expressifs et aiment être au centre de l'attention. Traiter avec les socialisateurs nécessite des interactions animées et engageantes. Donc, lors de l'interaction avec différentes personnalités, il est important d'adapter votre approche pour communiquer efficacement. Ils sont plus axés sur l'obtention de résultats, en venant rapidement au cœur du sujet et en allant droit au but. Maintenant, qui, selon vous, compose la majorité des exemplaires du magazine People jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, ce sont les relationnels. Et qui, selon vous, est présenté dans des magazines tels que Success, Business Wiki, Forbes, des livres à succès, des programmes audio? C'est le directeur, l'exécuteur, celui qui passe à l'action et récolte ensuite les récompenses. Le quatrième type de personnalité est ce que nous appelons le socialisateur, également connu sous le nom d'expressif. Le socialisateur est extraverti, direct, expansif et très personnel. Leur principale motivation est de conquérir et d'accomplir ensemble avec et à travers d'autres personnes. Ils aiment parler de leurs réalisations, de leurs stratégies et partager des expériences. Souvent, ils deviennent des leaders ou des cadres car ils ont des personnalités bien équilibrées. Ils se préoccupent à la fois des résultats et des personnes, possédant une forte connexion avec les gens et une grande concentration sur la réalisation des objectifs. Maintenant, toutes les personnes que vous rencontrez entrent dans l'un de ces quatre groupes. L'erreur la plus courante que les gens commettent est de traiter tout le monde comme s'ils étaient comme eux. Si vous êtes impliqué dans la vente, par exemple, vous perdrez environ 3/4 de vos clients potentiels parce que vous les traitez tous de la même manière. Cependant, il n'y a pas de style correct ou incorrect, meilleur ou pire. Ces styles sont innés chez chaque personne et vous pouvez les observer chez les enfants dès leur plus jeune âge. Soyez attentif à cela lorsque vous réfléchissez à votre personnalité et à celle de votre partenaire. La quatrième clé de la communication est de maintenir un dialogue équilibré. Un dialogue équilibré signifie ne pas monopoliser la conversation. Les meilleurs dialogues s'écoulent de manière équilibrée,
comme la lumière du soleil, venant et allant détendu, sans hâte. Quelque chose appelé test de conversation évalue la compatibilité entre deux personnes dans une conversation idéale. Chaque personne aura l'occasion de parler et d'écouter, avec aussi environ 10 à 15% de silence inconfortable. Les gens sont à l'aise avec le silence, cependant, ce qui peut se produire, c'est que certaines personnes finissent par parler 70% du temps, tandis que d'autres parlent 30%, créant un déséquilibre et une lutte constante pour le temps de parole. Le pire, c'est quand l'incompatibilité commence dans une relation et les deux n'ont besoin de parler que de 10 à 15% du temps, conduisant à un grand silence inconfortable, indiquant qu'ils n'ont plus beaucoup en commun lorsqu'ils se rencontrent. La fluidité se perd avec le temps. Avez-vous déjà observé un couple à l'intérieur d'une voiture, tous deux regardant devant eux et ne disant rien? Ou sont-ils assis dans un restaurant en train de manger mais n'échangent pas de mots? Ce n'est pas un bon signe. La cinquième clé de la communication est la question de clarification. Ne supposez jamais que vous comprenez complètement ce que l'autre personne dit. Au lieu de cela, si vous avez des doutes, demandez ce que vous vouliez dire ou comment exactement vous voulez dire. Ensuite, attendez et écoutez. C'est la question la plus puissante que vous puissiez utiliser pour guider et diriger une conversation. Il est presque impossible de ne pas obtenir de réponse en posant cette question. Lorsque vous demandez « de comment voulez-vous dire ?», l'autre personne ne peut s'empêcher de fournir une explication plus détaillée. À partir de là, vous pouvez continuer avec d'autres questions ouvertes et maintenir la conversation en cours. Parfois, les gens sont timides, et une façon de faire face à cela est de se concentrer sur l'autre personne, poser des questions et écouter attentivement les réponses. D'abord, cherchez à comprendre, puis à être compris. Sortez de vous-même et ne vous inquiétez pas de ce que l'autre personne pense de vous. Au lieu de cela, concentrez-vous sur encourager l'autre personne à parler d'elle-même. Plus une personne parle d'elle-même, plus elle vous apprécie. En fait, je vais vous révéler un secret pour réussir dans la vie. Commencez par comprendre, puis soyez compris. Quand vous rentrez chez vous le soir, ne parlez pas de votre journée. Au lieu de cela, demandez aux autres et à vos enfants comment s'est passée leur journée et écoutez attentivement, posant des questions de suivi. Le sixième point est de reconnaître et d'accepter que les bons communicateurs sont des communicateurs actifs. Oui, je comprends. Exactement. Oui, bien sûr. Ils sont là, ils ne restent pas passifs comme des murs. Ils sont vraiment engagés. Par conséquent, l'écoute active est cruciale. Dans les relations, l'écoute active signifie que vous êtes vraiment présent. Mettez le livre ou le journal de côté, éteignez la télévision, regardez vers l'intérieur, soyez présent tout le temps. Le septième point est d'écouter attentivement. Lorsque vous écoutez attentivement l'autre personne et montrez que vous vous souciez vraiment de ce qu'elle dit, votre confiance en vous augmente. L'acte d'écouter vous fait vous sentir plus précieux. La personne écoutée se sent plus précieuse et importante en tant qu'être humain. Vous pouvez faire sentir quelqu'un merveilleux simplement en écoutant chaleureusement, sincèrement et attentivement tout ce qu'il a à dire. L'acte d'écoute renforce la confiance en soi de la personne écoutée. Quand un homme et une femme sortent ensemble pour la première fois, ils passent beaucoup de temps à parler et à s'écouter. Ils se regardent dans les yeux, se connectent avec chaque mot, sont fascinés par la personnalité de l'autre. Plus ils s'écoutent, plus ils se sentent positifs et heureux, et plus le lien d'amour entre eux devient fort. Maintenant, l'opposé de l'écoute est l'ignorance. Vous écoutez toujours la personne que vous valorisez le plus, vous ignorez toujours la personne que vous dévalorisez. Le moyen le plus rapide de rebuter quelqu'un, de blesser ses sentiments et de le rendre ennuyé et en colère est simplement d'ignorer ce qu'il dit ou de l'interrompre en plein milieu d'une pensée. Ignorer ou interrompre, c'est comme asséner un coup émotionnel au visage. Les hommes, en particulier, doivent faire attention au désir naturel d'interrompre une femme pendant qu'elle parle, surtout lorsqu'ils conversent avec une femme. En passant, comme je l'ai mentionné, les femmes sont d'excellentes communicatrices. Elles sont de grandes auditrices et sont bien meilleures que les hommes à cet égard. Les hommes ont 95% plus de chances d'interrompre une femme que l'inverse. La raison pour laquelle l'écoute est un outil si puissant pour développer l'art et la compétence de la conversation est que l'écoute crée la confiance. Plus vous écoutez quelqu'un, plus cette personne a confiance en vous et croit en vous. Le huitième point est de paraphraser les paroles de l'orateur avec vos propres mots. Après avoir écouté attentivement, vous pouvez dire « et voyons si j'ai bien compris, tu dis que… » Répétez ce que la personne a dit avec vos propres mots montre que vous êtes vraiment attentif et que vous faites un effort pour comprendre ses pensées ou ses sentiments. Rappelez-vous, lorsque vous pouvez paraphraser ce que la personne a dit, c'est un vrai test d'écoute. Cela prouve que vous écoutiez vraiment. Alors, paraphrasez avec vos propres mots, et voyons si j'ai bien compris ce que tu as dit, tu es préoccupé par cela, cela s'est passé, et en écoutant,
tu seras toujours un meilleur auditeur. Le 9e point est de faire une pause avant de répondre. Une courte pause de 3 à 5 secondes après que la personne a fini de parler est une attitude très gracieuse dans une conversation. En faisant une pause, vous atteignez 3 objectifs en même temps. Premièrement, cela vous empêche d'interrompre l'autre personne si elle reprend juste son souffle pour continuer. Le deuxième avantage est de montrer à l'autre personne que vous prêtez attention à ses paroles sans injecter immédiatement vos propres commentaires. Le troisième avantage de faire une pause dans une conversation est que vous écoutez réellement mieux l'autre personne. Leurs mots résonneront plus profondément dans votre esprit et vous comprendrez plus clairement ce qu'ils disent vraiment. En faisant une pause, vous devenez un communicateur exceptionnel. Il m'est apparu clairement que vous voulez devenir une personne distinguée, vous distançant de loin des autres, augmentant encore plus votre intelligence financière. Après tout, vous êtes arrivé à ce point dans la vidéo, n'est-ce pas? Alors, pour que cela se produise, cliquez simplement sur l'une de ces deux vidéos à l'écran et regardez le contenu suivant, qui a été fait avec beaucoup de dévouement spécialement pour vous. Allez, profitez-en, c'est gratuit. Et merci beaucoup pour votre présence. Je n'arrive pas à croire que vous n'ayez pas encore cliqué. Après tout, il ne reste que 3 secondes. 3, 2...